Hello les amis! Et aujourd'hui, on se retrouve de bonne heure! Vous avez pu voir, regardez ça, lever, on va avoir le lever de soleil qui va arriver. Par rapport à où on est carré, c'est le pied absolu. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle journée! Aujourd'hui, nous allons parler préparatifs départ camping-car. Alors évidemment, préparatifs pourquoi? Parce que nous, il y a des préparatifs en permanence, vu qu'on vit dans le camping-car et qu'on est sur la route en permanence. Mais là, qu'on va faire du, on va dire, 1200 à peu près kilomètres pour remonter sur Bordeaux, nous allons vérifier, en faire un petit peu le tour du véhicule pour voir si tout va bien. Mais je vous conseille de faire ça régulièrement. Surtout la pression des pneus, parce que les pneus ont tendance chez nous à se, vu qu'on fait des pauses de 2-3 jours, des fois un petit peu à se dégonfler. Et comme on est quand même relativement lourd, rouler sous-gonflé, vous savez ce qui arrive, c'est la catastrophe, on éclate. Je rejoins Pascal. J'aime bien, on éclate, c'est lui qui éclate, c'est pas nous, c'est pas nos pneus. Oui. Alors, aujourd'hui, coucou à tous. Oui, ben oui, tu peux leur faire coucou oui, à tous. On va vous montrer notre petite plante qui nous suit depuis l'Allemagne. Oui, la petite orchidée là. Ouais, depuis l'Allemagne qui nous suit. Elle est avec nous. On a acheté ça en Allemagne. Et là, elle a fait toute cette période. Depuis le mois d'août, elle est là et puis elle vient juste de... Elle vient de refleurir là, c'est sa deuxième floraison là en quelques mois, c'est super. Alors là, parce que ben, voilà, elle est en train de suyer la vaisselle du petit déjeuner. Ouais. Et tu nous fais quoi de bon à midi? À midi, ça va être un rôti de porc. Voilà. Ça fait très longtemps que nous n'avons plus mangé de porc. Et donc là, on va se régaler un rôti de porc avec une bonne sauce. Et puis des pommes de terre sautées. Et puis comme légumes, il y aura des brocolis. Et avec une petite bouteille de vin rouge, évidemment. Bien sûr. C'est pour vous dire qu'en camping-car, on peut cuisiner, ça n'empêche pas. Effectivement, il y a moins de place. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Complètement. Suivez-moi, on part dehors. Voilà, donc je me trouve évidemment pas dedans, mais dehors. Alors, effectivement, nous, ce qu'on a la chance sur cette remorque, on a les pneus ne bougent pas au niveau des pressions. On met 2,2 kg et ça n'a jamais bougé. Alors, on regarde évidemment, on vérifie évidemment si tout est bien attaché à l'intérieur avant de partir. Mais bon, là, je vais pas ouvrir, je sais que c'est bien attaché depuis que notre ami.
Joseph a fait la réparation. Ça tient, c'est impeccable. Alors après, c'est au niveau des pneus. Alors effectivement, vous pouvez, vous voyez, ils sont très très écrasés. Hein, vous voyez là, le flanc. Mais ils sont à la bonne pression. Hein. Nous, on met 4,5 kg sur le derrière. Bon, évidemment, comme quand on est relativement lourd, alors effectivement, les pneus sont bien écrasés. Alors, c'est des Michelin, on en est très content. Ils s'usent, là, ils sont bientôt à 20 000. Mais je pense qu'on va arriver à faire 35, 40 000 sans problème avec. Hein. Ça devrait le faire. Après, devant, on met 3,2 kg au niveau des pressions. Hein. Vous voyez, là aussi, l'écrasement est relativement important. Vous pouvez voir, vous voyez, c'est quand même relativement écrasé, mais c'est la pression qui est requise sur le véhicule. Alors là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le capot hein, pour regarder le moteur, évidemment. Ben, pas le regarder, parce que le regarder, ça apporte pas grand-chose, de toute façon. Mais plutôt, comme on dit, voir les niveaux. Alors nous, ce qu'on fait, alors là, il faut tourner deux fois la clé. Alors, hop, je tiens la caméra aussi. Voilà, on a réussi à tout faire. Voilà, donc... là, je mets la caméra ici. Alors, c'est l'avantage de cette GoPro, parce que là, on a plusieurs positions en grand angle ou pas. Et ce qui fait que, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Alors là, le liquide refroidissement, vous voyez, eh bien, ce qu'il y a, bah, après presque 20 000, il en manque un petit peu. Et là, comment il va passer à la révision, on va l'emmener. Vous voyez, encore du sable, un peu du désert là-dedans, vous voyez. Regardez ça, tout ça c'est le sable du désert. Hein. Donc on va là aussi on va faire changer le filtre. Hein. Le filtre à air, tous les filtres à gasoil, enfin, on va faire toute la révision complète de façon à repartir sur notre future destination pour l'été prochain. Alors le liquide de frein n'a pas bougé. Le niveau d'huile, lui c'est pareil. Hein. Ben, regardez, on va regarder ça ensemble. Vous voyez hein. Vous voyez, hop, il est parfait, il est bien. Bon, le moteur vient de tourner, hein, donc on a fait tourner un petit peu le moteur. Donc lui, il est un peu, hein, elle n'est pas toute redescendue, mais bon, le niveau était bon, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que, voilà, nous, on fait ça au moins une fois par semaine, on regarde. Et surtout, on le fait s'il y en a beaucoup, beaucoup de routes. Là, comme là, on va remonter, il faut qu'on soit sur Bordeaux jeudi. Donc on va remonter, on va dire en 3-4 jours, donc on roule régulièrement tous les jours et on va faire pas mal de kilomètres. Et qu'on était sur le Maroc, c'est pareil, sur le Sud, qu'on a fait des 400 et 450 kilomètres à peu près, effectivement, on regardait régulièrement. Parce que, bon, ce serait dommage de, comme on dit, de cramer le moteur. Hein, ce serait un peu, ça serait triste, comme on dit. Voilà, donc, voilà, on fait le tour du véhicule. Et c'est vrai que bon, ça prend très peu de temps, hein. Ça prend on va dire 5-6 minutes grand maximum. Et ça permet de partir en tranquille, sans se poser tout un tas de questions, en se disant est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on va avoir un problème ou pas. De nouveau à l'intérieur, je retourne retrouver Pascal à ses fourneaux. Alors, est-ce que ça avance cette cuisson? C'est que le début là, hein. C'est tout. C'est que là. Le début. Hop, donc, on a sorti la gamelle. J'ai sorti la gamelle. Ouais, non, parce que lui, il s'en occupe pas du tout. Hein. Il fait plein de choses, mais moi, je m'occupe de ce que j'ai là. Hein. Voilà, donc on a acheté un rôti de porc. Ben ici en Espagne, hein, parce que bon, depuis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé le rôti de porc. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, voilà. Donc, elle va nous cuisiner tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Complètement, oui. Merci de nous suivre, d'être aussi nombreux, parce qu'il faut dire les choses. Ouais. Merci à tous. En tout cas. On est très contents. La communauté est très grande. Oui, n'oubliez pas. Formidable. Voilà. Merci à vous. Merci. Instagram, le petit pouce bleu pour titiller l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas de partager aussi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. On vous dit à très vite, les amis. À bientôt. Bye bye. Bisous à tous.